Allez les gars, c'est parti, on va tomber contre Offline. Salut Kiki. Pimki Salut. et Shiggy Siggy, c'est pas la femme là dans de comment ça s'appelle dans Viking là? C'est pas comme ça qu'elle Ah, s'appelle peut-être. Ah oui. Océane qui est à côté de moi me confirme. Siggy, celle qui couche avec tout le monde. Bref, je Et veux pas spoiler. Piggy, c'est la femme de qui? C'est Piggy la cochonne. Ah. Elle couche avec tout le monde, mais elle n'est pas dans Viking. En tout cas, on va voir à la course au bal si c'est elle qui te bat ou si c'est toi qui gagne. Bon, un américain, J'ai deux russes. Allez. quand même peur pour toi, Grixos. Ah, il peut me rattraper. Ah non. Oui, j'ai gagné! Moi qui croyais que c'était Piki Gonzalez, rien à voir. Qu'est-ce qu'on fait Bref. alors? On va direct au carbu munitions? Ouais, on y va les gars. Allez. C'est dangereux, non? Je voulais prendre les chasseurs de chars éléphants, mais c'est violent là sur cette map. Si, c'est peut-être un peu compliqué, mais bon. Ouais, j'ai peur de, avec tous ces contournements, de pas réussir à tenir le choc. Je fonce direct à l'étoile, Kiki. Ouais. Je récupère derrière. Ouais, on prend ça. Quelqu'un sort MG ou pas? Non. Ça y est, c'est fait. Je vais faire grenadier. Si tu veux, je te sors des MG. Non, c'est bon, j'en ai sorti une. Bon, je vais te sortir des mortiers Merci. alors. Allez. Là, vous êtes tous les deux collés là. Je pense qu'eux, ils sont tous les deux collés à droite. Bon. Alors, vous avez pris quoi comme commandement? Je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pris le Jaeger moi, avec un tigre à la fin. D'accord, Jaeger Master. Bah, je vais prendre Jaeger aussi, mais l'autre Jaeger. Ouais, je prends l'autre Jaeger, tant pis, mes bulletins iront pas du coup, mais ça me semble trop risqué sur cette map, l'éléphant, hein, y a trop d'arbustes, de choses Moi comme ça, j'hésite t'as entre pas. Saint-Exupéry et son petit frangin. Commandant Labello. Allez, Loris, je ne vais pas. Je vais tout au bout. Bon, je vais prendre Saint-Exupéry. On va tout mettre en essence. Pour vous, avec les chars. Et moi, comme ça, je pourrais les reconvertir en munitions. Allez, je prends l'étoile, mais je vais pas y rester, les gars. C'est vraiment pour dire, je casse les bonbons. Ouais, l'île on s'en fout. Enfin, faut quand même mettre une petite MG pour pas qu'il déborde. Hey, quand je fais semblant de le faire, il peut pas passer le type. Je vais mettre une ennemie mitrailleuse, histoire de pas se faire flanquer. Ok. Ils sont là. Que je t'envoie des mortiers pour te soutenir. Lolo, je la mets là ma mitraillette, en plein dans le passage. Ok, moi je la mets la maison à côté alors. Parce que souvent on essaie de la mettre direct à l'étoile, mais c'est pas une bonne idée en fait. C'est clair, à l'étoile je vais mettre un bunker plutôt. Il faut quoi pour ça? Il faut des munitions, d'accord. Tu vois, ils sont déjà là eux. Super, je pense que là on les a bien bloqués. Ouais, enfin ils sont là. Hein. Les deux mortiers, j'ai un peu peur là. Reculez, je vais mettre une mitraillette ici alors. Non, c'est bon, il recule. Oh Ouais, bah. bien. Et ils font le taf. Ils l'empêchent tout seul d'avancer. C'est le pire des cas, j'ai mes. Allez, ça vient, hein. Attention. Ah, c'est bon, il back. Il y en a, Ah, toi. ça. Il va nous mettre une petite mitraillette dans la maison derrière toi si tu peux la bombarder celle-là. Allez, je suis dans son dos, Lolo. Le cocktail, fais gaffe. Oh! Oh, il se déplace, mais. Il se déplace très très bizarre. Votre bunker peut maintenant
Merde. J'ai abusé. Il y a une Maxime. Je m'en doutais que ça allait nous flanquer. Allez. C'est bon, j'ai eu le temps de mettre une mitrailleuse dans le... Sa Maxime, elle est... Je souffre un peu là, les gars. Ah, la maison va tomber. Laquelle? Ouais, voilà. Bien joué. Une de moins, il a pas eu le temps de nous sortir. Fera pas chier. Par contre... Ils vont me faire chier, hein. Oh putain, mes mortiers font tout le taf là. Ouh. Oh, il s'installe. Mais ça, je trouve ça, mais scandaleux. Allez, le génie là. Hop, t'es mort. C'est bon, je vais la récupérer du coup. Là, je souffre, hein. Je vais mourir. Ah, j'ai pas eu le temps. Putain. Alors en 4K. Putain, ça me ma Maxime, elle tient. Ah bah tiens le coup. Ouais, enfin. C'est bon, tu l'as eu. Je vais faire le T2 Kiki. Ah, avec Panzer Grenadier. Ouais. Ok. Non, je sais pas. Bah vas-y, j'allais le faire en fait. Je pense qu'on en a besoin tous les deux là. Non, allez, on en a pas besoin tous les deux. Ouf, je vais pas le faire. C'est bon, tu les as assez bien, t'as stoppé avec ta mitrailleuse. La mitraillette, c'était bien joué. Allez, faut vite qu'on aille récupérer notre dû. Oh, j'ai fait une grenade à fusil nickel. Ça l'a rien fait. Bon, vous en sortez de l'autre côté? Là c'est un peu chaud mais... Ok. Ah, il a repris la Maxime. Oh merde, putain. Je peux pas faire ça. Ah, il vient te l'envoyer, Loris, le cocktail. C'est gavé. Ouais, je crois qu'il manque joli. Ça, il manque... Ok. Ok, toi. Je t'ai envoyé un mortier, Loris. Ouais, je vais essayer de récupérer les points. Et je t'envoie deux patrouilles, mais bon, ils vont arriver vitesse grand V. Un grenade à fusil à lui là, derrière le mur, attention. Il a pas vu. Oh. Ouh, bien. Allez, les renforts arrivent. Tiennent bon. Tiennent bon. Qu'est-ce qu'ils sont là sous la neige? Vivement que je débloque le déplacement tactique. Ah, ils ont un canon anti-char ici sur l'île. Allez, ah, recule. Ah, bien joué, le petit bunker là, ça va aller leur casser les pieds, je pense. Ouh, le canon anti-char. Oh, je vais le... Bon, tant pis, je sacrifie mes. Oh non. Oh, quand même. Ah non, je vais récupérer. T'avais une arme au sol. Il l'a pas laissé du coup. Ouais, parce que là, on a emmerdé. Non, je vais récupérer le canon anti-char. Ouais. Attention. Oum. Allez, là c'est pas mal. Ouh, les mortiers font mal. La...
Allez, je sors un... Putain, je sais pas si j'ai sorti un flaky, mais... Je sais pas si c'est une erreur. Vas-y, je sors un flaky. L'essence et tout. On a plus d'essence et de carbu, là, c'est chaud. Allez, je lui fais une grenade à fusil, là, Kiki. Pareil. Je rentre dans la maison. Ah, blocage pour moi. C'est bon, on peut le récupérer là. Allez, là, il va prendre cher. Ok. Allez, je vais faire le T4, hein, comme on avait dit. Mais non, mais qu'est-ce que c'est de ces... Pourquoi il passe par là par défaut là? Allez, mon flak, il est arrivé. Ah, oui, d'accord. Grenade à fusil là-dedans. Ah, fais gaffe, il y a... Je tire sur le Stuart. Vas-y, bloque-le. Je le pense vers Faust. Oh, j'ai pété lui, là. Comme ça, tu peux avancer. Allez, ça, c'est bon. La maison, elle est tombée. Ah, on a EP, on a 4 carbus, les gars. C'est... Ça devrait tourner un peu mieux que ça, quand même. Ouais, les gars, je vais aller faire ici un centre de soins, parce que ça va pas. Ok, et moi je vais faire deux bunkers ici pour soigner et refaire les troupes. Vas-y, viens, je continue à pusher, Kiki. Push, vas-y, push, mec. Avant qu'il y ait les canons de char. On up le point. Alors, ah, qu'est-ce que bon. Je peux sortir canon, canon de char, il est là. D'accord. Tiens, tu vas lui faire mal là. Ah, par contre, il va te blesser aussi, donc reste pas trop là. Parce que là, dans la maison, il va te crever, galo. Viens par là, je vais couvrir tes arrières si besoin. Ah, faites gaffe, il ramène du... Vous, allez, ramène vous, ça. Ouais, vous avez vu là? Et il y a le... Il va ré... il envoie des unis pour réparer son... son Stuart, il est juste là. Son Stuart, ouais. Ah, pareil, j'ai fait un peu la même chose. Allez, j'économise un bientôt le Panther, les gars. Oh putain, faut le terminer le Stuart, hein. Il n'y a plus rien. Ouais, bien amoché. Là, on peut recharger les équipes. Là aussi, vous pouvez. Elle me blesse. Je vais crever là. Vous avez des canons anti-char vers chez vous? Il faut que j'arrive à flinguer ça, Kiki. Allez, Panthère en cours de construction. Est-ce que vous avez du canon anti-char vers chez vous? Normalement, non. Je vous envoie un. Ah, je croyais en face de nous, pardon. Non, non, chez vous. Oui, on en a pas. Ok, je vous envoie un canon. La maison, elle va tomber là. En fait, c'est il y a son obusier, mais c'est dans la petite maison qu'il me fait chier. La petite maison, je crois que... C'est là où il y a le bazooka. Je pense qu'elle est foutue. Ah non, elle est pas encore foutue. Ouh, attention, il va te faire mal. C'est bon, je la maison, elle est morte. La maison, elle est morte. Regarde, je suis en train de faire un soin ici. On peut se soigner aussi, donc. Vas-y, enculé. Attends, j'arrive. Recule à tout prix. Je peux pas, il est trop endommagé. Allez, j'ai le propre terre, putain.
Ouais, tu vois, il arrive, il vient te chercher. Là, lui en priorité. J'ai miné l'étoile du milieu. Merde, j'ai fait le con. Ah, j'ai perdu le Panzer 4. Il est à l'abandon. Qu'est-ce qu'il y a à l'abandon? Son char. Panzer 4. Kiki là, on voit quelqu'un. Faut l'achever. Ouais, il va le prendre. Je prends le Panther. C'est hop, bon. Oh, je récupère l'arme. Il y a un bazooka dessous. Attention, il y a Stuart qui est là-haut. Là, j'ai fait le con, j'ai perdu mon véhicule. Fais gaffe ton... T'es ouais, mortier là-haut. J'enlève, merci. Le blizzard est imminent. Ouais, le blizzard maintenant. Qu'est-ce qu'il a, mon char? Ah, il est bloqué, mon char. Putain, depuis tout à l'heure, je l'appelle. Qui peut me décaler ça? Crie ça, s'il te plaît. Attends. Ah, merde. Pour ça, je me disais, mais putain, mais il veut pas venir. Il était bloqué, l'imbécile. Allez, la bataille est pas mal. Combien de panthères tu vas sortir, Kiki, toi? Là, pour le moment, pas beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Et toi, au feu, avec tes mortiers? Attends, je vais vous faire un petit feu. Par contre, ouais, faut pas qu'on tarde là, à bouger parce que. Là, on leur laisse le temps de déployer les chars, quoi. Ouais. Ok, il est là. Voilà. Je peux reculer. Je vais essayer d'aller le choper, mais d'abord, je me fais un feu. Et là, y a quoi sur l'île? Bah, il y avait rien du tout. Quand je suis allé, je suis allé piquer leur canon anti-char, mais il y avait rien d'autre. Alors, peut-être qu'ils ont mis un truc depuis, mais. Rien à foutre que vos bottes soient perméables. Bougez-vous. Ici, soldat du génie. Okay, ils ont quoi là? Ah, ils ont un T-34. Ah, ils ont. Regarde, ils regroupent tout là. Tout est là, ouais. Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut pas attaquer de ce côté, il faut attaquer de l'autre au contraire. Parce que là, ils n'attendent que ça, quoi. Tout neuf, Lolo. En même temps, ils ont pas 10 000 trucs, hein, Kiki. Ils ont un T-70, canon anti-char, d'accord, mais. Allez, j'ai un Panzer 4 qui arrive, je te rejoins. Ah, ouais, c'est bien ça, Krixos. Petit Panzer Werfer, attends, ouais. J'allais te dire, attends, comme ça on attaque. Bon, viens, on attaque Kiki dans la foulée. Avec mon flak. C'est pour les harceler. Ah, ils ont tout regroupé hein, pour la. Ah, ils arrivent là un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On charge ou on attend? Vas-y, si tu veux. On peut attendre, j'ai mon Panzer 4 qui arrive aussi. Je vais tourner mon canon anti-char. Ah là, ils viennent. Ouais, je tourne mon canon anti-char. Ouais, c'est bon, le. C'est bon, un de moins. Allez, il restera que le T-34. Bah arrête de tirer sur l'infanterie, putain, il est con lui. Attention, qu'un anti-char devant toi. Qui c'est qui meurt de froid? Ah merde! C'est bon, je te répare en même temps, Loris. Ah, je suis bloqué, putain. Ah. Oh merde, là il y en a beaucoup trop. Merde. Ah, il y a Jackson. Ouais, recule, ils ont Jackson. Ouais, reculez, ça sert à rien de. Il y a un feu à 2 mètres de toi. Allez. Oh, il t'a eu. Thank you.
Allez, je vais aller de ce côté, moi. Ouh, je vais finir le Séchard, là. Moi, je vais là-haut. Hein. Ok, les gars. Allez, il faut décaper, lui décaper le poing. Elle est pas mal, mais juste, ils ont les munitions et le carbu, quoi. C'est ça qui fait chier. Et moi, les munitions, j'en ai besoin. Ah, oui, à l'abandon. Il y a un char à l'abandon. Il est où? Il est par là. Il a un char totalement mort, enfin presque mort ici, avec un char à l'abandon. Ah, bah il est mort son canon anti-char. Allez. Là, ça va faire mal. Je vous invite à me rejoindre. Largage de matériel imminent. Fais gaffe que t'es 34 derrière. Ouais. Ah bah, je vous invite à pas me rejoindre. Parce que ça y est, ils sont déjà énervés. Je paralyse son Panzer, son T-34. Je mitraille là. Voilà. Ah, tu peux les terminer. Là. Merde, j'ai pas tué le bon, j'aurais dû tuer l'autre. Il reste et là, je vais faire mal ici. Il reste qu'un Jackson là, qui est blessé là. Un T-34 là-bas. Allez. Oh merde, je peux pas tirer de là. Il va me flinguer. Ça fait trop mal son machin. Il est où son... Ah, il est là. Nos adversaires s'emparent d'un secteur. Si tu me débarrasses des canons, ça, je peux peut-être passer. Ouais, je bombarde dessus. Bah, il est mort. C'est bon, lui, il est mort. Vous voulez qu'on y aille ? Il reste un canon anti-char qui est là, il en reste que deux. Allez, je bombarde. Super. Et après, là, il y a Jackson. Je traverse, on attaque à lui, là. C'est bon, il est mort. Là, ici, il y a le Jackson au nord. J'y suis. Ah super. Merde, il y a un autre canon, deuxième. Je peux me mettre. Je bombarde avec mon deuxième Panzer Waffer là. Ah bah là, à l'abandon, je suis fou. Vas-y, barre-toi. Je suis coincé. Va pas dedans avec le... Attention, ça bombarde. Barre-toi. Ok, bah moi je suis coincé. Je mitraille canon, je sais pas si ça a changé quelque chose. Nous avons de nouvelles ressources. Ça fait rien du tout le mitraillage au sol quoi. Triste. Ah mais c'est quoi le délire? Ah tu peux pas passer par là, mais c'est n'importe quoi, il s'est complètement bloqué. Sur tes Panzer Werfer, il va pas pouvoir arriver. Je les recule. Allez, je sors un petit gros là. C'est dommage parce qu'ils vont récupérer les... Fais gaffe, il y a le T-34 qui est là-haut là. Ah, elle est toujours pas mort ton truc. Bien joué. Ah ouais, mais je vais le perdre là. Là, il voilà. Fais gaffe, il y a les T-34 qui sont juste là. D'accord. J'en ressors un, mais je suis pas content en ce moment. Non, je suis vraiment pas content. Allez. Faut que j'active aussi les... L'assaut, il était pas mal, mais il faut le refaire rapidement. On se remobilise et on refait la même chose. Bah je te renvoie un panthère hein. Ou est-ce qu'on fait milieu et gauche? Allez là, milieu et gauche, vas-y. Sinon on les contient et on fait milieu et gauche, on s'en fout. Vous voulez faire ça? Vous voulez changer ou pas? Ouais. Ouais parce que sinon ils vont nous refaire la même. Allez, est-ce qu'ils ont ils vont solidifier encore plus. Allez, là on brûle tout. On va faire un peu de Rocco. Ah, ils se ramènent là-haut là. Ils arrivent là. Dans la glace. Ils se sont pris mes mines en plus, c'est con. Ils ont fait bulldozer là. Ouh, ça fait mal les mines. L'étoile là, faut que tu partes quelque chose, hein. Ah merde! Ah zut! Ouais, j'ai pas vu. L'ennemi nous inflige des pertes. La pluie anti-char des Stuka est prêt à partir. Je vais Panzer Waffer l'île à fond ici là. Ok.
Qu'est-ce qu'ils ont ici là? Ils ont baqué, hein, y a plus rien. Ah vas-y, je t'envoie des troupes. Là, y a tous les chars au milieu. Ah, ils arrivent par là. Ah, c'est là qu'il faut tirer alors. Attention, faut qu'on tourne. Hein. Ils arrivent. Ils arrivent par là, là. Faut les couler. Un qui est coulé. Un. J'arrive dans leur dos. Moi, je vais mitrailler avec mes Stuka. Oh bah, ils sont morts. Deux. Essaye de le Panzer Fausté. Feu. Allez, il va couler lui aussi. Il va mourir avant. Ouais, 3. 3. C'est fait. Allez, on va finir cette merde maintenant. Ah, j'ai qu'un anti-char dans mes faces là. Attention à droite, il y a un canon anti-char vers là. Il est en haut. Et ça bombarde. Attention ici. Hein. Ah ouais, fais gaffe, ils ramènent tous les canons anti-char. Je vais les cramer, j'arrive dans leur dos. On est pas mal, mais putain. Putain, leur a coulé beaucoup de tank là. C'est dû les blesser. Ouais. Putain, aux étoiles, on est mal quoi. Allez, les gars. Je suis en train de récupérer l'étoile là. À Vénère, il me disait que le père de son du collègue à son fils, il a tenu la jambe. Il a trop tardé. Là-haut, fais gaffe, là-haut, il y a deux Panzers. Hein. Il y a deux Sherman. Merci, j'étais pas en train de micro-gérer. J'avance mon canon anti-char un petit peu. Je bombarde, là. Ça va faire mal. Bien. Ouais. On a centré la Richard. Oh, y'a plus rien. Kiki, non, on va pas trop loin, je vais te réparer là. Avec ton Panther, reste là. J'ai deux équipes. Ah putain, à droite, il fait un chien encore. Avec quoi? Canon anti-char. Attends, je vais le bombarder lui. Faut que j'accupère l'étoile, je suis obligé. Ah, il est là. Attention, il y a un SU qui se ramène. Oh, il y a. C'est, ouais. Yesu qui se ramène. Je bombarde, je mitraille avec ma. Mais il va se barrer à temps. Je vais ressortir un autre Panther, les gars. Oh, je l'ai. Ouh, je l'ai un peu abîmé. Le SU là. Nous avons de nouvelles ressources disponibles. En parlant de ça, moi j'ai décidé de percer les lignes. Hein. Ok. Je vous ai mis un ennemi très ici s'il rush. Attention, le Sherman. Il arrive dans votre dos. Ah, je l'ai vu. Oh là là, l'ISU 152 m'a blessé. Ah, j'ai personne pour. Pour te réparer? Non, pour récupérer le point. Faut que j'accupère l'étoile à tout prix. Je t'envoie mes génies pour réparer ton. Allez! À fond de cale. Allez, j'ai miné l'étoile de gauche. Ah, parce que. Au point. Ouf, c'est chaud, hein. Ouais, au point c'est très très chaud même, t'as raison. Le vol de reconnaissance est prêt à décoller. C'est donc là qu'il faut que j'emmène ma mitraillette. Ouais, je mine l'étoile et je mets aussi des mines anti-char sur la glace pour les faire chier. Attention, ça revient là. Ah, ça revient. Attention, je bombarde Lolo. Oh, attention! Ouh, le bulldozer est à blessé.
Allez, je m'élimine en t-shirt partout. Bien joué. Vu que j'ai masse de... Bouge pas que lui, là. Ah, c'est bon. C'est bon, là, il a pas vu que sur le chemin, j'étais en train de le dégommer. Il est là, là, dessus, hein. Je vais essayer le Panzerwaffe. Et... Les gars, ils ont envoyé deux T-34. Je pas de ça, Kiki, là, je suis en train de tout péter derrière. Tu le vois? Là, on va souffrir. Allez, il s'approche. Oh, oula, je suis en train de baisser, là. Je bombarde son... Ils arrivent là, les gars. Bon, je l'ai, un peu, je l'ai un peu blessé, hein. Les gars, là, ça va chier sec. Vas-y, fais-le reculer. Va pas trop derrière lui parce que je vais oui, mitrailler. Oui, il a coulé. Loris, recule ton... Je veux pas qu'il s'échappe. C'est pas grave. Bon, bah, je l'ai baissé un peu. C'est bon. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. On l'a niqué, il est mort. Allez, là, il souffre aussi. Oui, le minage et mon tank qui arrive. C'est bon, alors là, Krixos, en haut, ça fait coup de génie. Hein. Attention, ça bombarde là. Allez, au milieu, faut tout récupérer, les Kiki. À droite, pardon. Allez, je viens t'aider là. Oh, je suis dégoûté d'avoir perdu ça. Pourquoi je lui ai coulé des trucs là? J'ai pas fait gaffe. Ouais, t'as coulé 3 tanks. Ah merde, j'ai pas fait attention. Merde, c'est mon arme qui l'a récupéré là. Par contre, je perds l'étoile. Ouais, je vois ça. On peut récupérer ça à la droite, envoyez ce que vous avez. Oh putain! C'est qui a bombardé là? C'est eux. Les gars, ça se joue au point là. On est bon là. Son Jackson s'est pris un de ses obus dans la gueule. Un de ses tirs? Ouais, en plein dedans. Ah bah c'est pas mal. Envoyez les mortiers, ce que vous voulez, à droite, à l'étoile là. Ouais, regarde, je t'envoie là. Pas de panique. J'y suis. Le truc, c'est qu'on a 53 points. Allez, je vais t'envoyer. Je vais nettoyer, voir s'il y a quelque chose. Moi, je vais envoyer des MG un peu. C'est bon, je continue à grimper alors. Ouh, attention, ça bombarde. Hein. Je récupère son bazooka, si tu permets. Moi, j'ai déjà récupéré un. Et... Allez, remine. Hein. Franchement, là, ici, il en a perdu deux. Et avec le troisième, il est passé, mais... Le pauvre. Ça m'a fait un peu de peine, quand même. Là, je suis un peu de Rocco. On détruit les caches. Bientôt, je ressors un autre panthère, parce que... Ah, attention. Ah, ils arrivent. T'inquiète, j'y suis. Je balance une grenade en... Ouais, c'est bon. Ouh, il a ressorti un issu. Attention, il se ramène. Hein. Ouais. Ah, faut le couler, alors. Mais bon, on a récupéré les étoiles, il faut les tenir maintenant. Alors. MG42 là. MG42 dans cette baraque. Et plus de MG42, on attend. Allez. J'arrive ici. Hein. On peut pas partir. Bien. Moi, je vais me faire peut-être un tigre de l'as, mais à la loyale. Les Russes ne sauront pas ce qui leur arrive avec nos MG42. Soldats du génie, prêts à tout. Je sens qu'il va traverser, mais il doit plus oser traverser par là. Tu m'étonnes. Dommage que t'aies raté ça, ah c'était non, épique. J'avais pas fait gaffe, j'étais occupé. En plus, je te l'ai dit, je t'ai dit bravo quand tu t'es gavé. Là, il a dû avoir une mort. Attention, ils arrivent avec l'infanterie. Oh, il repasse pourtant. Attention, il nous bombarde ici et avec du lourd.
Allez, je vais terminer son truc. Ouais, oh, il est mort. Loser. Et là, je, oh, je vais bombarder toutes ses troupes avec ses... Voilà. Au revoir. Bien joué. Magnifique. Il se prend mes mines. Je te ramène des mecs. Oh là là, mais c'est sublime. On va être obligé de l'appeler la Crixos Game, celle-là. C'est la Crixos Game Week. Ah, oh, j'ai fait un bunker à l'envers, les gars, ici. Ne rigolez pas. Je l'ai fait en marche arrière, le truc. La honte, loser. Allez, je vais essayer d'y aller, là. Par contre, mes mortiers, faut que je fasse un feu, là. Oui, ils meurent tous. Ah, même moi, je suis pour une de tes mines. Nous avons de nouvelles ressources disponibles. Oui. Loris, tu veux qu'on monte tout? Allez, vas-y. Oh, mais regarde-le. Quand je te dis qu'il est temps qu'il devienne fou, tu vois, j'ai rien fait. En marche arrière, en moonwalk sur le canon anti-char. Ah bah là, on est mal. Je vous fais un... Bah ouais, mais il a le temps de venir tranquille. Je vous fais un panthère pour vous tenir. Oh là là. Ah merde, c'est j'ose bizarre. Traverser. Okay, il y a son essieu quelque part, hein. Je sais pas où, mais... Parce que j'ai l'impression que vous prenez très cher, quand même. C'est que Loris, il est bloqué sur le pont. Ouais, mais il devient fou, putain. Je vais passer par ce pont-là, moi. Ouais, il est plus large. Ouais, passe par la glace. Ah, c'est bon, ils ont capitulé. Tu vois, quand ouais, je te dis que les tanks sont des bizarres. J'ai pas touché, là, les mecs, ils étaient en marche avant, à 3, nickel. D'un coup, je suis allé voir où ils étaient, c'était sur le pont. Je pars chercher mon quatrième tank. Je reviens sur le pont pour voir où ils sont, où ils en sont. Le tic rouille à l'envers, embouteillage. Tellement ils ont le temps de rester coincés, l'autre il m'a amené un canon de t-shirt, il m'a bloqué. Tiens, pourtant j'ai rien touché, hein, j'ai laissé. Non, mais Loris, je pense que c'est parce que justement il avait le canon de t-shirt que ça l'a bloqué. Non, il est venu après, il est arrivé après. Mais remarque, ça m'étonne qu'à moitié, regarde, je suis bloqué entre les Panzerwerfer moi depuis tout à l'heure. Donc. Je pense que. À moins est-ce qu'il ait cliqué pour amener son canon de t-shirt déjà à l'avance? Et ça considère qu'il est déjà là et ouais. Du coup ça bloque, c'est un peu comme les protections ghost là, quand tu fais semblant de créer un barbelé ou un piège de char, ça gêne alors que le truc il est pas encore créé. Mais en tout cas, bien joué les gars, parce que la partie elle était loin d'être gagnée. Et en plus on l'a gagnée par abandon, donc encore mieux quoi. Ils avaient petit level sur le papier, mais par contre voilà, ils auraient bien pu nous crever parce qu'ils avaient pris un ascendant. Hein. Important. Ouais. Putain, j'ai perdu des troupes qui étaient vétérans, je suis un peu blasé là. Sur le bac, il y avait mes armes qui étaient là d'ailleurs. Allez, on va aller voir les points. Et ce qui était magnifique, c'était quand même tous ces tanks qui coulaient quoi. Alors là, c'était. Ouais, je crois que le tournant il est là. Hein. C'est 4 ouais. Tanks non, qui sont tombés dans l'eau. Plus de mon côté après. Et plus fin, ce que j'ai vu. C'était énorme. Alors là, oui, là c'était énorme. Faut le dire. T'es comme c'est solide, j'arrive pas à le crever. Allez, on va aller voir les points. Ouais, ils sont solides les SU. Hein. À bout portant en plus. Hein. Ah, t'as raison, Loris. C'est à cause du canon anti-char. Parce que moi, il a voulu passer par là, puis après, il a fait demi-tour, comme tu dis. Ouais, il y a la carcasse maintenant, non? Du canon anti-char. La carcasse, mais du coup il m'a fait un caca comme toi. Ouais, je sais pas, ça le fait de plus en plus, c'est un peu pénible, mais bon, ça fait partie de... Ouais, ils avaient plus d'unité. Hein. Ça fait partie des choses qui doivent améliorer. Ouais. Allez, on va voir les stats. Allez, faut que j'ai pas un bug splat, je vois que c'est un peu long. Ouais. L'écran noir qui tue, tu sais. L'écran noir aussi, il est en train de faire une marche arrière, là. Ah, ouf. Ah, j'étais content de mes petits Panzerwerfer. Ouais, j'allais te dire ça. C'est le tournant, un des gros tournants aussi, c'est ça. Les Panzerwerfer, ils ont blessé. Et tu vois, ils sont loin à recharger, mais putain, quand t'en as 3 ou même 2, ils sont super précis, tu vois. Tu vises bien au bon endroit, ça fait super mal, quoi. Ouais, ça nettoie. C'est vrai qu'on les voit plus trop, hein. Ah ouais. On les subit un peu de temps en temps, mais c'est vrai que ça devient très rare. Bah, l'ISU 152, déjà, c'est rare que tu le vois.
Les Panzerwerfer aussi. Les Aftrak russes, tu les vois quasiment plus. T'as plein de petits véhicules comme ça qui déchirent et qui ont plus. Les Stugi aussi, on parlait il n'y a pas longtemps. Les Ouais. Alors que ils font tous, ils ont tous leur part de travail à faire. Quoi. Unité la plus précieuse, assassin et spécialiste, Panzerwerfer. Ouais, t'en as fait 3, c'est ça? Ouais, j'en ai fait 3. À la fin, là, les 3, mais c'était diabolique. Tous les 3. C'est eux qui nous sauvent, parce que ça et tes mortiers. À vrai dire, quand je t'ai vu sortir les mortiers, tu m'as donné envie d'en sortir 2. J'en ai sorti 2, ça en faisait 4 donc qui bombardaient là, tout le flanc droit, là, et ça, c'était pas mal. Hein. Après, on a fait des beaux assauts, et puis le moment mémorable, et c'est là, tout à l'heure, je parlais du petit level sur le papier. Je pense que leur erreur principale, c'est ça. C'est ils ont pris trop de risques sur la glace, quoi. À un moment, quand ils étaient sous le feu, ils ont pas avancé un peu plus, tu vois. Il fallait vite qu'ils rejoignent la berge, bordel. Ouais. Sinon, tu vas y aller au fond. Ouais, mais bon, je venais juste de le sortir, je crois, le Tigrouin, donc. Ouais, toi, le Panthère aussi, donc je pense qu'ils s'attendaient plus à contourner et revenir sur la droite pour tout dégommer sur la route, mais ouais. Du coup, ils ont vu ça, ils sont restés un peu sur la glace, ils ont tout perdu, les pauvres. C'est ça. Et... plus dans leur dos, ouais. C'était 1, 2, 3. Et sur la vidéo, tu verras les mines que Crixos a mis. Le mec, il en perd un. Déjà, il doit être fou. Le deuxième s'avance, il le perd. Le troisième, il a dû prier. Oh, bonne mère, s'il vous plaît. je vous salue, Marie. Ouais. Oh là là. Et c'est vrai que ça. Attends, t'imagines? Ça fait 5 chars qui coulent. 5 chars, dont des T-34-85. Donc, je veux dire, t'as économisé pour les sortir, t'as sué, quoi. Ouais, et ils coulent comme le Titanic. Parce qu'après, comme tu dis, Loris, l'idée était bonne. Ils voulaient contourner. Donc ça, c'était une très très bonne idée. Ils sont tombés sur Panthère, Flaky et Tigrou. Ton Flaky, c'est celui du début, Lolo? Si c'est pour faire bien, je veux dire oui. Si je dois dire la vérité, je vais te dire non. Ça doit être le troisième, au moins. Non, j'en ai fait plein, j'en ai fait 3. J'ai pas sorti de char, j'ai sorti que le Panthère à la fin, mais il a rien fait. Sinon, j'ai sorti aucun char. Tu vois, peut-être que la prochaine fois qu'on joue comme ça, il vaudrait. Peut-être que c'est pas mal hein, qu'il y en ait un qui sort pas de char. Hein. Il fait mortier, Panzerwerfer, il fait l'aérien, quoi. Fait tout ce qui est à distance. Artillerie. Bah, franchement, ouais. Regarde, c'est ce qu'on s'est dit. Hein. Avant de démarrer la partie, enfin, je sais pas si on filmait déjà, je crois pas. Mais nous, on s'était dit, Loris faisait les Panzer 4, c'est pour ça que j'ai attendu pour faire les Panthères. J'avais la charge des Panthères. Et Crixos, il nous avait dit, je vais certainement prendre Saint-Exupéry ou son petit frère, le commandant de la Bello. Donc, on comptait pas sur ses chars. Ouais. Et on a été complémentaires. Ça a bien marché. Et avec la surprise du chef, puisque t'as sorti les Panzerwerfer, donc ouais. Bien joué. Bon, franchement, s'il n'y a pas les Panzerwerfer et s'ils tombent pas dans la glace, on méritait peut-être pas de gagner. Bon, ça en est sorti, c'est un miracle. Exactement, c'est pour ça que je disais, petit bien level joué. Sur le papier, mais pas en vrai, parce qu'ils avaient de bonnes idées. Normalement, ils auraient dû gagner, normalement. Bien joué à eux. Allez, ciao, ciao les gars, ciao. Ciao. Ciao les kikis.